được. Gia đình của mình. Chứ nói tiền là được thôi. Không nói nhiều. Mẹ cũng đi tìm con rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay Chúa đã kết thân về với mẹ. Je t'ai cherché déjà plusieurs fois. Et aujourd'hui, Dieu t'a ramené vers moi. Ah, d'accord. Écoutez comment elle se sent après avoir appris la nouvelle. Je suppose que ça n'a pas été facile pour elle non plus. Anh hỏi rằng là cô cảm nhận như thế nào, cảm giác như thế nào. Anh nghĩ rằng là cũng không có, đối với cô cũng không có dễ dàng khi biết được tin này. Tôi thì mẹ lúc nào cũng nhớ con, cũng mong được gặp con, nhưng mà có một hơi muộn rồi, thì bố cũng không còn nữa. Bố cũng muốn gặp con nhiều lắm, nhưng mà bố không chờ được cái ngày con. Je veux toujours te voir, te revoir. C'est un peu tard pour papa qui n'a pas pu t'attendre. Bah oui, j'aurais aimé connaître mon papa aussi, et si j'avais su, j'aurais entamé des recherches plus tôt. Mais sans savoir le nom de mes parents, je ne pouvais rien faire. En fait, moi, j'avais des papiers, mais comme je parle plus le vietnamien, je savais pas à quoi ça correspondait exactement. Donc, le nom de mes parents, j'avais aucune idée. Et c'est grâce à l'annonce que là, que j'ai traduit en français, que j'ai vu que c'était le nom de ma maman, donc à ce moment-là, j'ai pu entamer des recherches. Mais avant ça, je ne savais pas. Vâng, thì anh nói rằng là anh cũng rất muốn gặp lại bố. Nếu như anh đã biết trước thì anh đã đi bắt đầu đi tìm kiếm cô bố mẹ, tức là tìm kiếm lại gia đình mình từ lâu rồi, nhưng mà anh cũng chẳng biết tên của bố mẹ mình là tên gì. Rồi thì anh cũng có vài cái tờ, giấy tờ của ngày trước, nhưng mà anh cũng không biết tiếng Việt, cho nên anh cũng không biết tìm kiếm như thế nào. Thì chỉ tình cờ anh mới vào được cái trang mạng đó, anh tìm kiếm thì mới thấy được như vậy thôi. Từ lúc mà con đi có chừng được chừng một tháng sau thì sau cũng có đưa cho mẹ những cái hình này, những cái hình mà lúc mà con xuống sân bay, những cái hình này, nhưng mà lúc mà con xuống sân bay thì họ đón con ở đấy, mẹ vẫn còn giữ. Depuis que tu es parti il y a un mois, depuis que tu es parti après un mois, on m'a aussi envoyé ces photos-là. La photo où tu descendais de l'avion. Rồi khoảng đến gần mấy tháng sau đó thì đại sơ cũng lại đưa cho mẹ tiếp hai tấm hình này, chỉ có như thế thôi, rồi còn không có bao giờ mà liên lạc được một lần nào nữa từ đó đến bây giờ. Et puis après quelques mois plus tard, les sœurs m'ont donné d'autres photos, mais c'était la dernière fois. Depuis, il n'y a plus moyen de contacter. Oui, je vais vous expliquer en fait les photos que ma maman a reçues. En fait, c'était avec ma première famille, mais avec la première famille, je ne suis pas resté longtemps. Après ça, j'ai été adopté par une seconde famille. Et ma deuxième famille, c'était pas que ma maman avait reçu des photos. Elle ne savait pas qui c'était parce qu'on n'a pas gardé de contact avec ma première famille en Belgique.
parce que eux, ils m'ont pas gardé beaucoup, donc personne ne savait que ma maman ou quelqu'un avait reçu des photos et qu'elle voulait des nouvelles. Vous voulez que je répète? Allô? Oui, vous avez entendu, vous avez tout compris? Donc, c'est la première, les photos qu'il avait reçues, ça vient de la première famille, c'est bien ça? Oui, ça vient de la première famille et cette famille-là, je ne suis pas resté longtemps avec eux. Je suis resté quelques mois.